Yeah, bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Bien le bonjour tout le monde et surtout bon dimanche parce que nous sommes dimanche 13h27. Je n'ai pas encore mangé. Donc je fais la vidéo et puis je vais manger avec un peu de retard. Quoique c'est dimanche. Dimanche, on dit toujours, dimanche c'est le. On peut manger comme les rois. Donc il n'y a pas d'heure. Alors, que va-t-on voir? On va voir comment installer le service Snap qui se nomme Snapd sous Linux Mint 19. Parce que vous n'êtes pas censé sans savoir que Ubuntu, lui, a décidé d'utiliser les paquets Snap et Linux Mint, l'équipe de Linux Mint, a dit Snap non. Par contre, Flatpak, oui. Donc, on se retrouve avec Ubuntu 18.04 qui utilise les Snap, mais Linux Mint 19 qui est basé sur Ubuntu 18.04, quant à elle, a dit non au Snap et a dit oui au Flatpak. Maintenant, ce n'est pas pour ça que vous ne pouvez pas installer le service Snap, donc avec le paquet Snapd et donc installer des paquets Snap sur votre Linux Mint. Donc vous pouvez installer des logiciels à partir des dépôts, comme on l'a toujours fait. Vous pouvez maintenant, en plus, c'est une nouveauté, installer des Flatpak. Et vous pouvez, si vous le désirez, encore en plus, installer des Snap. Donc on va voir ça ensemble, vous allez voir, ça va très vite. Donc je vais encore utiliser, comme à chaque fois, le Linux Mint 19 XFCE. Voilà. Voilà mon petit pense-bête. Et vous allez voir, ça va tout seul. Non, c'est pas une blague, ça va tout seul. Donc on patiente, hein, vous me connaissez maintenant. On patiente. Il y en a, c'est les enfants. Ben moi, c'est on patiente. Voilà. Alors on se connecte. Nous voilà sur notre Linux Mint 19 serveur XFCE. Voilà. Comme à chaque fois, c'était toujours une fraîche install. Donc, coucher l'écran bienvenue. On va déjà aller initialiser le gestionnaire de mise à jour. On valide. Vous ne devrez sûrement pas faire ça. Moi, à chaque fois que j'ai fini une vidéo, hop, je restaure ma VM à l'état précédent. Donc, l'état précédent, c'est quoi? Installation toute fraîche. Donc, édition, préférences. On va faire ceci, ceci, ceci. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je mets à jour ou pas? Bon, allez, on va vite mettre à jour. Ça ne devrait pas prendre trop de temps. Quoi qu'il y a quand même un noyau, je vois. Oui, allez, on va quand même tout mettre à jour. Voilà. Ok. Je m'authentifie. Je valide par entrée Winter. Et on va tout mettre à jour. Et on patiente, on patiente. Je pense que c'est pas fini, il y a sûrement encore d'autres mises à jour. Quoique, bizarre. Bon, ça se peut, mais ça me semble bizarre. Ouais, il y a une flopée de mise à jour. Bon, je vais pas faire le reste, mais bon, vous n'oubliez pas sudo apt-get sudo apt-update sudo apt-upgrade. Voilà, pour une distribution entièrement à jour. Moi ici, je vais pas le faire, sinon ça prend un peu de temps. Alors, première chose, instance terminal. Et on va faire quoi? On va faire sudo apt-install. Je vais quand même vous montrer. Hein. Si je lance le Si je lance le gestionnaire de logiciels, donc on peut soit installer des logiciels à partir des dépôts. Je vais vous montrer ça.
Voilà, donc on peut soit installer des logiciels à partir d'un dépôt, hein, ou alors installer, comme je l'ai dit, des Flatpak. Donc maintenant, en plus, on va se donner la possibilité d'installer des paquets snap. Donc on va installer le service snap, sudo apt install snapd. On s'authentifie. Voilà, c'est fait. Alors, gnome-software-plugin-snap, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est un petit plugin que l'on installe pour pouvoir avoir accès au paquet snap au travers de gnome software. Le problème, c'est que ici, donc sous Ubuntu, on parle bien de gnome software, mais sous Mint, on parle de logiciel, on parle de logiciel ou plutôt de Mint install, donc gestionnaire de logiciel. Ce qui veut dire que même si vous installez ce paquet, il est dans les dépôts, hein, la preuve. Voilà, je vais l'installer. Évidemment, si je ne vais pas jusqu'au bout, sudo apt install. Voilà, et que je colle. Il va me dire, bah ouais, il est bien dans le dépôt, voulez-vous que je l'installe? Oui. Mais on n'aura pas d'intégration. Ben oui, c'est pas GNOME Software, mais c'est logiciel, c'est Mint Install, c'est GNOME Software revampé. Donc si je relance le gestionnaire de logiciel, on n'a pas l'intégration des snaps. Et vous me dites, ouais, mais essaye un peu avec sudo, hein, apt install. Je sais pas, moi, allez. Mint install. Ben, il connaît pas. Voilà. Donc, on en reste là. Ça veut dire que les snaps, vous ne pourrez pas les installer via le gestionnaire de logiciels, il faudra les installer via le terminal. OK? Donc si je fais un petit clear, que je fais un snaplist donc le service snap est bien comment je vais dire, est bien installé. Et il nous propose, regardez. Donc j'ai fait un snaplist pour voir la liste des paquets snap. Il n'y a rien. Il nous dit, ben, vous pouvez par exemple essayer d'installer Hello World. Hein? Allez, on va voir si ça marche. Donc on va faire snap install Hello World. On s'authentifie. Voilà, là, il est en train de monter Core. Donc, ça veut dire que si je fais un snaplist, j'aurai Hello World et j'aurai, donc en version 6.3, et j'aurai Core. Donc, ça veut dire que si je fais, donc je vais faire un clear, je vais faire un snaplist, voilà, Core, version 16-2.33.1, et on a Hello World. Hein? Ça nous a permis d'installer le core. Maintenant, je peux virer Hello World. Donc, ça veut dire que je vais faire snap remove hello 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 world. Je m'authentifie. Voilà. Si je fais un snap list, j'ai core. OK. Et maintenant, si je me rends dans le gestionnaire de paramètres
Session et démarrage. Démarrage automatique d'application. Regardez bien. On a Flatpak. Ah ben, heureusement, puisque Mint gère les Flatpak. Mais si on descend plus bas, on peut voir maintenant qu'il y a bien le service Snap qui se lance automatiquement au démarrage de la session. C'est cool. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un petit clear. Voilà. On va faire un Snap Find. Et je sais pas, moi, bah regardez, j'ai pris comme exemple VLC. VLC. On va faire une recherche. Oh, voilà ce qu'il y a dans les snaps à propos de VLC. On peut voir que VLC est là en version 3.0.3. Voilà. Et bien, ce qu'on va faire, hein, on va tout simplement faire un snap install VLC. On s'authentifie. Et c'est parti pour VLC. Attention que l'installation d'un snap est toujours un peu plus longue, puisqu'elle embarque toutes les dépendances, toutes les bonnes librairies, donc ça prend un peu plus de temps. Et un paquet snap est donc plus de temps et plus lourd aussi, hein, au niveau du poids. Faire quelques kilos, je pense. Hein. Mount Snap VLC. Ça travaille. Voilà, ce qui veut dire que maintenant, si je refais un snap list, on peut voir qu'on a Core, heureusement, et on a VLC en version 3.0.3-1-3. Waouh! Et on va essayer de lancer VLC. Attention, le premier lancement est toujours un peu plus long. Donc, je vais dans Multimédia. Hein? Je n'ai pas VLC. VLC. Je n'ai pas VLC. Mais ce qu'il aurait fallu faire. Voilà. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est redémarrer. Une fois qu'on a installé donc apt install snapd, le service snap, hein, et installé core, c'est préférable de redémarrer. Donc, chose que je vais faire. Je redémarre de suite. Au moins, ça permet déjà de vérifier si le service snapd se lance bien, hein. Il y a bien une entrée, hein, qui a été créée, on l'a vu, dans démarrage automatique. Hein. Mais il faut voir si ça fonctionne. Si l'entrée a bien été créée, mais il faut voir si elle est configurée correctement. Voilà. Je m'authentifie. Ok. Multimédia. Et nous avons VLC. Là, ça va mettre un peu de temps à démarrer. Hein. Premier démarrage, toujours un peu long. Remarquez ça. Quand on vient d'installer un logiciel en Snap, un logiciel snapisé. Ouais, faut attendre un peu. Hein. C'est un miette long, comme on dit par chez nous. C'est un miette long. Moi, il va se lancer. Il devrait se lancer. On patiente. Ah, enfin. Regardez seulement. Voilà, intégration du thème, c'est pas trop ça. Mais, ça a le mérite de
voilà, d'être un pack universel et en théorie de fonctionner sur toutes les distributions. Alors, rien ne vous empêche de lancer logiciel. Voilà. Et de dire, oh ben moi je vais installer VLC à partir des dépôts. Ici, ce sera VLC à partir des dépôts. Et il nous propose la version 3.0.2. Donc ici, 3.0.3. Hein? Voilà. Ou rien ne vous empêche également d'aller dans Flatpak, de faire une recherche, hein, VLC. J'aurais. C'est bizarre. Ah voilà, VLC. Et là, on va installer le VLC à partir des dépôts FlatHub. Et on sera en version. Ils ne le mettent pas. Ils ne le mettent pas. Je serais curieux de l'installer, j'essaye. Continuer. Et on patiente. La version flatpakisée. Quel langage de con. La version flatpakisée met plus de temps que la version snapisée à s'installer. Ouais, je vous jure. Allez, on patiente, on patiente. Donc, on peut le lancer. Je le lance. Voilà. Continuer. Ah, voilà, le thème, c'est exactement le même. Okay. Donc, à propos 3.0.3 et à propos 3.0.3. C'est cool. Maintenant, je vérifie quelque chose. Si je fais VLC, ben voilà, j'ai deux lecteurs multimédia VLC. Je vais supprimer celui-ci. Continuer. Voilà, donc la version Flatpak est supprimée. En théorie, il me reste quoi? VL. Il me reste la version Snap, version snapisée. Donc ce qu'on peut faire, hein, regardez, on peut faire Snap List. Voilà. On peut faire Snap Remove VLC. On s'authentifie. Voilà, ça va vite, hein. Ok, et maintenant, si on veut désinstaller donc le service Snap, qui se nomme Snapd, eh bien on fait sudo apt purge snapd, on s'authentifie. O pour oui, on valide. Voilà, on va quand même faire un snap list. Yeah, il n'y a plus rien. Je vais quand même faire un sudo reboot pour voir si le système est toujours OK, hein, s'il n'y a pas de souci. C'est au moins le minimum, avoir un système opérationnel fonctionnel et on va aller voir si dans l'utilitaire session et démarrage automatique, je pense, si l'entrée pour le service SnapD a bien été supprimée.
Mais je pense que oui. Donc, menu des applications principales, gestionnaire de paramètres. On va faire hop, 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 session et démarrage. Démarrage automatique d'application. Et si on regarde. Alors, Flatpak, oui. Et c'est bon. Ok. L'entrée Snap a bien été supprimée. Donc voilà, pour moi, le tutoriel se termine ici.